fête où l'on offre des cadeaux, mais est-ce que la naissance de Jésus est un cadeau? Pas si sûr quand on regarde l'évangile. C'était difficile pour Marie d'annoncer à Joseph qu'elle était enceinte. Ils ont dû partir à Bethléem pour le recensement. Là, ils n'ont pas trouvé de place et très vite, ils ont dû partir en Égypte. Mais en fait, c'est un vrai cadeau pour nous. Cela veut dire que Dieu est au cœur de toutes nos vies, de nos vies humaines bien concrètes avec toutes ces difficultés. Alors, dans ces temps un peu difficiles que nous traversons en ce moment, profitons de la fête de Noël pour nous offrir des cadeaux et pour nous rappeler que Dieu nous donne sa présence en Jésus. Le 24 au soir, c'est bien parce qu'on se retrouve autour d'une bonne table, on veille dans la nuit et puis c'est à minuit qu'on célèbre la naissance de Jésus. Alors, c'est bon d'offrir des cadeaux à ce moment-là. Mais c'est bien aussi le 25 quand même parce que nous avons patienté, veillé toute la nuit et nous attendons que le jour se lève pour nous précipiter devant les cadeaux, les ouvrir. Alors en fait, le 24 au soir ou le 25 au matin, faites comme vous voulez.